Good morning, Aleid, et nous sommes aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther Bat Miriam, ainsi que le Fouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam Bat Roselena, Binyamin Ben Chaviva Betor Char Chole Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui à Maseret Shabbat, Perek Yutet Mishnah Aleph. Rabbi Eliezer Omer, Im lo hevikli me erev Shabbat, me vio be Shabbat me goulé, ou be sakana, me chaseu al piedim. Vadama Rabbi Eliezer, Kortim etzim laasot pichamin, laasot kli barzel. Klala Rabbi Akiva, kol melacha she'efshar laasotah me'erev Shabbat, en adocha et Shabbat. Vesheyi efshar laasotah me'erev Shabbat, docha et Shabbat. Et on commence dans ce perek à découvrir la lachot de Mila. En fait, la fin du chapitre précédent se finissait avec la naissance, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour une femme en couche. Et ça se finissait avec qu'on avait le droit de faire tout le nécessaire pour faire le Brit Mila. Du coup, la Mishnah, notre Perek, qui débute maintenant en nous disant qu'est-ce qu'on a le droit de faire exactement avec une marloquette fondamentale qui se retrouve dans plein de mitzvot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer enseigne Imlo Hevikli Me'erev Shabbat, s'il n'a pas apporté l'ustensile, il n'a pas apporté le couteau pour faire le Brit Mila, depuis la veille de Shabbat, eh bien, mevi'o be Shabbat megoulé. Il pourra l'apporter à Shabbat, mais megoulé, en le portant en main aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire, on va avoir un bon juif, avec une belle barbe, un beau chapeau, et marcher dans la rue avec un couteau dans la main. Pourquoi? Comme ça, tout le monde va voir, ah, tu sais pourquoi il transporte ce couteau? Parce qu'il a un brit mila à réaliser, et qu'il a oublié le couteau, donc c'est pour ça qu'il est en train de porter le couteau. C'est comme ça que pour que les gens réalisent que on a le droit de repousser le Shabbat pour accomplir la misa du Brit Mila. Ou Besakana, et si toutefois on est dans une période de Sakana, c'est à l'époque où il y avait, à l'époque des Grecs, où ils ont interdit de faire le Brit Mila, et donc les gens continuent à faire le Brit Mila, mais en se cachant, alors la Mishnah nous dit, bon, alors à cette époque-là, Mechaseu al-Piedim, il fallait le camoufler, mais avec deux témoins, c'est-à-dire tu ne prends pas le couteau dans la poche et tu marches dans la rue incognito, que personne ne constate que tu l'as. Non. D'abord tu prends deux témoins qui disent, attention, je vais le mettre dans la poche, je vais le porter dans la rue, mais parce qu'il y a la misa de Brit Mila à réaliser aujourd'hui, pour ne pas qu'on me soupçonne qu'éventuellement quelqu'un va me rencontrer, et je ne sais pas comment, le couteau il va me tomber en pleine rue, les gens vont dire qu'il est porté pendant Shabbat. Non, il y a deux témoins qui vont dire, non, non, c'est bon, il nous a montré qu'il avait un Brit Mila à réaliser aujourd'hui. Et on continue la Mishnah encore, pour le moment vous avez retenu, c'est essentiel, mais je préfère avancer pour voir l'ensemble de la Mishnah qui tourne autour du même sujet en fait. Pour le moment, retenez le point essentiel de Rabbi Eliezer, qui nous dit on a le droit de transporter le couteau à Shabbat. Ve'odama Rabbi Eliezer, et mieux que ça, encore il a dit Rabbi Eliezer, même plus que ça, il a poussé le bouchon encore plus loin. À la différence de Rabbi Akiva, qui va complètement discuter sur tout ça. Il va interdire de transporter le couteau, comme ce qu'on va voir. Ve'odama Rabbi Eliezer, il a dit il y a même plus que ça. Korotim etzim la sot pechamin, on a le droit d'abattre des arbres, de couper des arbres, pour fabriquer du charbon, la sot kli barzel. Oui, pour fabriquer du fer, pour fabriquer un ustensile en fer, pour fabriquer un couteau. C'est-à-dire, pas juste te permet de transporter le couteau. Et si t'as pas de couteau, bah, tu prends tout ce qu'il faut. Et quoi, s'il faut partir, extraire du fer à l'état brut, le fer, extraire du bois ensuite, le faire chauffer. Tu fais tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour faire le Brit Mila. Parce que tout ça, la Brit Mila repousse le Shabbat, mais pas que l'action de couper, mais même tous les préparatifs à la Brit Mila. Et c'est là le point de marloquette sur lequel Rabbi Akiva va discuter. Klalama Rabbi Akiva, il est venu Rabbi Akiva, il a donné une généralité qui n'est pas comme ça en fait. Kol melacha she'efshar la'asot me'erev Shabbat, tout travail type, toute transgression de Shabbat que tu pouvais réaliser avant Shabbat pour préparer ton Brit Mila, ena docha et ta Shabbat, elle ne repoussera pas le Shabbat. Ve'shei efshar la'asot me'erev Shabbat, par contre une melacha que tu n'avais pas la possibilité de la réaliser depuis la veille de Shabbat, alors là, Docha est à Shabbat, là, elle repoussera le Shabbat, et on commence à expliquer, en fait, la marloquette qui s'appelle Marchirei Mitzvah. Est-ce que les préparatifs de la Mila, c'est Marchir la Mila, ça prépare la possibilité de faire la Mila, c'est-à-dire, le Brit Mila lui-même, ça repousse le Shabbat. D'accord? C'est déduit d'un pasouk. La Torah insistait, bah, Yom Hashmini Mol Besaronoto, même si c'est le 8e jour exact, même, il y a une insistance dans le pasouk qui nous dit, même si ça tombe le Shabbat. Donc, Mila Bismana, ça repousse le Shabbat. D'accord? Premièrement. Mila que, donc, Bismana, quand un enfant naît naturellement, pas par césarienne, sinon ça ne repousse pas le Shabbat, et quand un enfant naît naturellement, je
suis quasiment sûr, pour l'histoire de la césarienne, je crois que c'est une halakha qui n'est pas tellement connue que... en tout cas, je reviens maintenant. Un enfant qui naît, et le huitième jour, on lui fait le brit mila. Une mila repoussée, on fait plus, on ne la fait plus à Shabbat. C'est-à-dire, si un enfant qui était malade, il avait la jeunisse, on a dû reporter le brit mila au neuvième jour, ça tombe Shabbat, on pourra plus faire le brit mila pendant Shabbat. Ça, c'est pour l'action du brit mila. C'est des dieux du pasouk, bayom hachemni, mol besaro, tôt le huitième jour, même si ça tombe pendant Shabbat. Rabbi Eliezer, lui, déduit de ce pasouk mieux que ça. Pas que l'action de couper, de faire le brit mila. Même tous les préparatifs au brit mila, et même s'il faut partir, comme ce qu'on dit, fabriquer un couteau entièrement depuis le début et couper du bois pour fabriquer les... Tout ça rentre dans le cadre de la préparation au brit mila qui repousse le Shabbat. Tandis que d'après Rabbi Akiva, il a une règle bien claire. Tout ce que tu as la possibilité concrète de le faire avant Shabbat, donc c'est un préparatif au brit mila, mais ce n'est pas l'action du brit mila lui-même, ça ne repousse pas le Shabbat. Et si tu n'as pas de couteau pendant Shabbat, eh ben tu ne feras pas le brit mila pendant Shabbat. Parce que tu n'as pas le droit de fabriquer un couteau, même que ça c'est un couteau, mais tu ne l'as pas apporté, tu n'auras pas le droit de l'apporter, de le transporter pendant Shabbat. Parce que le transporter, l'amener à l'endroit où tu veux faire le brit mila, tu pourrais le faire depuis avant Shabbat. Dans ce cas-là, l'onitna Shabbat l'idachot, le Shabbat n'a pas été, on n'a pas la possibilité de repousser le Shabbat, l'interdit de Shabbat de porter dans la rue, pour pouvoir réaliser un brit mila, où tu pouvais réaliser toutes ces actions préliminaires avant le Shabbat. Par contre, tout ce que tu ne pouvais pas faire avant Shabbat, ça implique, bien évidemment, l'action de couper. Mais même aussi ensuite, toutes sortes... alors, préparer les pansements, c'était quelque chose de réalisable avant Shabbat. Mais ensuite, guérir, soigner, à stopper l'hémorragie, je sais pas moi, toutes sortes... Ah voilà, mieux, la métitsa. Le fait que quand on aspire ensuite le sang, le moelle il aspire le sang, ça c'est un interdit en théorie minatora. C'est plus le brit mila, mais c'est nécessaire pour le brit mila. Pas le retransmettre pendant Shabbat. Ensuite, il va falloir laver le bébé, on peut de façon... Tout ça sera permis de le faire pendant Shabbat. Mais tout ce que tu pouvais réaliser depuis avant Shabbat, ben, ça ne repousse plus le Shabbat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout cela.